Bienvenue sur Terre Éternelle, BST du CGT. Il ne faut plus dire la CGT, il faut dire le CGT. Conseil galactique temporel. Mais il faudrait que vous preniez subconscience de la chose. Et le petit Poustaga a pris soin de semer des boulons d'huile. Bon. En 63, c'était Sheila. En 80, c'était Lio. Pas que c'est de la merde, mais populaire. Piccola Canzone est populaire. Ouais. Par contre, Bérégovoy, ça c'est une grosse connerie. Comment que le mec il s'est mis 2 balles dans la tête tout seul? Ce n'est pas un suicide, c'est une histoire de franc-maçon. Vous croyez que Mitterrand c'était un bon gars? C'était une ordure, comme tous d'ailleurs. Tu vois. Alors j'aime pas qu'on me ment la télé. Mais la télé ça raconte que des conneries. Coluche, dernier prophète non reconnu avant moi. Quand il dit la publicité, à ta vision, passe uniquement aux débiles mentaux. Mais c'est vrai, putain. La télé, c'est un électroaimant qui aspire l'âme. Comme tout le reste, d'ailleurs. Ben moi, je me l'aspire tout seul. Moi, je suis l'acteur de ma vie. Et je fais Christ de Nice l'éternel, chef d'état d'âme, garagiste de l'âme. Ministre de l'extérieur, et tout ce que tu veux. Sauf que j'ai pas un rond, c'est pour ça que c'est bon. J'apprends miséricordieux. Tu vois, là j'attends Michel. Putain, je la veux ma révolte, ça commence vraiment au 1er mai. On change de système, une grève et une révolte planétaire, un truc de malade. Faut comprendre que le système argent, c'est foutu. Déjà, tout le monde s'arrête et on partage le peu qu'il y a. Un bon riche, c'est bien quand il est mort. Un homme de pouvoir, forcément, généralement, il est corrompu. Ça dépend de l'étage de la maçonnerie. Après le 33e, oh là là, l'ordre de mes couilles. Mais moi, je suis de l'ordre des insultus de sous-merdicus et je vous pisse tous à l'arrêt. Oh mon bon Dieu, il me dit pas comme vous. En 100 ans, vous avez déglingué la planète, mais alors c'est même pas possible de le dire. La 6 hirondelle, ils croisent les étourteaux. Je sais pas, ça va pas. Les poissons, ça va pas, les machins. Il n'y a rien que ça va. Les insectes, ça va plus. Les abeilles, ça va pas. Et ils continuent de mettre des drones, des machines, des machins, des merdiers, des trucs sans pilote, des trucs. Et ils vont te faire croire que le chômage il va baisser. Tu vas bosser pour 1000 euros, 60 ou 80, et tu fermes ta gueule. Bon, par contre, j'avais une bonne nouvelle. Alors ça, c'est vachement rare. Que je dise du bien du gouvernement. J'ai reçu comme un chèque de 144 euros. Bon, c'est pour payer le gaz ou l'EDF. Gouvernement responsable et solidaire, nanani nanana. Bon, quand même, du côté socialiste, il y a eu des bonnes lois. Bon, si tu veux, c'est pas un chèque que tu peux mettre sur ton compte. Mais je vais le donner à la bonne femme de l'UDAF. Je vais dire, écoute, fais ce qu'il faut faire avec. Les papiers, les formulaires. Non, je ne suis pas un numéro. Non, je ne suis pas un prisonnier. Non, si, je suis prisonnier sur Terre. Mon esprit est prisonnier sur Terre. Mais n'empêche que je fais quand même crise de Nice. Parce que c'est pas possible d'être aussi con. C'est pas possible qu'il y ait autant de collabos. J'ai l'impression d'être seul au monde. Un problème. Bon, on va le mettre comme ça. Envoyé spatial pour Terre Éternelle. Patché salute. Inchalamen. Iraim. Et tout ce que tu veux. Bouddhisto-bétain, brahmo-cistercien, protestodoxe, catholman, le cathol vrai. Voilà. On veut un gouverne vrai, des médicats vrais, un discerne vrai, tout qui soit vrai. Si vous ne comprenez pas, c'est pas de ma faute, il va se passer ce qui va se passer. Hier, avant-hier, quand j'étais pas bien, en fait, c'est pas qu'ils ont tué du monde ou quoi. C'est parce qu'il y a eu une éruption. Bon, c'est rien pour vous.
Moi, je suis en connexion spatio-temporelle. J'y peux rien. Bon, je l'ai demandé aussi. D'ailleurs, je redemande puissance maximum admissible pour un cerveau humain.